With a note, en fait, ça me, c'est vraiment la phrase, le mot qui m'est venu quand je pensais à la tournée que j'ai effectuée l'année dernière, à savoir, j'ai regardé souvent une aile d'avion à travers le hublot pendant des heures, des heures. Piano, c'est mon père, mes parents qui m'ont mis au piano à 4 ans. Ouais. Et j'en ai fait sérieusement tout de suite, en fait. Quand ils m'ont eu, en fait, il avait 22, 23 ans. Soit il faisait de la musique, soit il se tournait vers l'enseignement. Et en fait, il est devenu prof d'histoire géo. Et il a connu la musique professionnellement dans les années 60, lui. Moi, je suis toujours assez optimiste, mais c'est plus difficile qu'il y a 15 ans et encore plus difficile qu'à 20 ans. Et quand je parle des musiciens qui ont travaillé dans les années 60, 70, c'était carrément une époque bénite. C'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que je parlais par rapport aux jeunes musiciens. Il faut vraiment que les gens soient un peu caméléons, quoi. C'est capable de jouer plusieurs styles de musique pour essayer d'avoir du travail.
rencontre, tout d'abord avec Andy Barron, qui est un batteur anglais qui est venu s'installer dans la région il y a une vingtaine d'années. Donc ça fait 20 ans que je le connais et j'avais vraiment envie de faire un groupe avec ce batteur-là parce que moi, il me permet de jouer d'une certaine manière. Enfin, quelqu'un qui me porte beaucoup et qui... je suis très admiratif de son jeu de batterie et j'adore jouer avec ce gars-là. Il y a Jérôme Regard à la contrebasse qui depuis déjà 6-7 ans est un compagnon de route, qui est un des tout meilleurs et qui est vraiment un bon pote. Eric Pro, saxophone, c'est un des plus mélodistes en France, ça a toujours été un de mes préférés, on n'a jamais eu l'occasion de monter un groupe. Donc là j'ai vraiment monté un groupe avec ces gens-là et j'ai inclus dans l'album Stéphane Edouard qui est juste le plus grand percussionniste que j'ai rencontré.